Aujourd'hui, je vais te parler de 7 livres qui ont littéralement changé ma vie. Vraiment, c'est des game changers. La moitié sont plus romans avec vraiment une histoire, une trame narrative, mais toujours liée au développement personnel avec des leçons de vie. Et l'autre moitié sont plus vraiment des livres purement pour apprendre des nouvelles connaissances, vraiment pur apprentissage en fait. Dans tous les cas, ils sont tous disponibles sur la plateforme Nextory. C'est clairement ma plateforme préférée de livres audio parce que au lieu de te donner accès à par exemple un livre par mois, ils vont te donner accès à un nombre d'heures d'écoute. Ça peut aller de 15 heures à 50 heures par mois en fonction de l'abonnement que tu choisis. Et tu peux le partager sur plusieurs comptes. Par exemple, familial à 50 heures, bah, tu peux l'avoir pour toute ta famille et avoir plusieurs profils qui lisent plusieurs livres en même temps, etc. Les livres dont je vais te parler sont parfaits pour l'été et en plus, avec le lien qu'il y a dans ma bio, t'as 45 jours d'essai totalement gratuit. Donc tu pourras les écouter à l'arrivée des beaux jours. J'espère que le bruit de la rivière est pas trop fort. J'ai essayé de trouver un endroit qui était à peu près bien niveau lumière, niveau son. J'ai mis le micro le plus proche possible de ma bouche pour qu'on m'entende moi et pas l'eau qui coule. J'espère que ça ira. Premier livre que je te conseille, c'est Votre temps est infini de Fabien Olicard. Je l'ai écouté justement pendant mon road trip. En à peine quelques jours, c'était plié parce que vraiment, j'étais tellement dans la lecture, j'avais ultra envie de savoir la suite, alors qu'il n'y a même pas une trame narrative, c'est même pas une histoire. C'est juste des astuces, des conseils sur comment gérer son temps, l'organisation, comment prendre des décisions. Mais c'est tellement une mine de savoir. Et il y a un concept qui m'a particulièrement marqué dans ce livre, c'est le fait de séparer fermement les 5 types de temps qu'on passe dans notre vie. D'après l'auteur Fabien Olicard, il y aurait 5 types de temps et au cours de notre journée, notre temps est divisé dans ces 5 catégories. Professionnel, personnel, pour soi, obligatoire et perdu. Professionnel, bah, c'est tout simplement le temps que tu passes au travail ou en tout cas à exercer une action qui te fait gagner de l'argent. Personnel, c'est les activités qu'on va faire pour le plaisir, par exemple aller prendre un verre avec des amis. Le temps pour soi, il comprend les activités qui sont bénéfiques pour notre développement personnel justement, donc lire un livre, faire du sport, méditer. Le temps obligatoire, c'est les activités qu'on réalise et qu'on est obligé de réaliser dans notre quotidien, genre les tâches de la maison, aller faire les courses, les temps de transport, mais aussi les besoins physiologiques comme les temps de repas ou le temps de sommeil. Et le dernier, c'est le temps perdu ou le non-temps. Ce sont des activités qui ne nous apportent rien, ni en termes de plaisir, ni en termes de développement personnel. Et le truc, c'est que ces non-temps, on n'en est pas forcément conscient au moment où on passe le non-temps. Par exemple, passer une heure sur les réseaux sociaux alors que tu croyais juste ouvrir l'application, regarder une notif et la refermer après 5 minutes. Et par rapport à ces 5 catégories de temps, il explique dans son livre d'écrire sur un papier combien de temps on passe dans chaque catégorie au cours d'une journée lambda. De cette manière, on arriverait à être beaucoup plus conscient de son temps et aussi se rendre compte qu'en fait, on a pas mal d'heures de libre dans notre journée et qu'en organisant mieux nos tâches et nos actions, on pourrait par exemple passer 2 heures qu'on a de libre plutôt que de surfer sur internet sans but, bah, d'aller boire un verre avec des copains pour avoir du plaisir, d'aller faire une grosse session badminton parce que ça nous fait du bien et ça fait du bien à notre corps. En gros, on est écoutant cette partie du livre, vraiment, je me suis dit « Ok, en fait, je pourrais mieux gérer mon temps pour faire des activités qui me font plus plaisir. » Il dit aussi, par exemple, que pendant plein de temps morts, par exemple, quand t'attends le bus, quand t'attends à la caisse derrière une personne qui met du temps à poser tous ses articles, tous les petits temps morts comme ça, eh ben lui, il les utilise pour visualiser. Et c'est vrai que perso, je me disais souvent « Ok, il faudrait que je me prenne, par exemple, 20 minutes par jour où je me pose et je visualise, ce serait une bonne habitude à prendre, etc. » Mais je le faisais jamais. Alors qu'en prenant l'habitude de faire 2 minutes par-ci, 3 minutes par-là, 5 minutes par-là au cours de la journée, je suis sûre qu'à la fin de la journée, on a au moins 20 minutes de temps mort. Et pendant tous ces temps-là, on peut visualiser un objectif qu'on a, comment est-ce qu'on veut l'accomplir, ou un objet qu'on aimerait avoir. Je sais pas, ça peut même être notre maison de rêve, tu vois. Prendre 2 minutes par jour par-ci par-là pour visualiser des choses positives et qui nous font du bien. Il dit aussi dans ce livre de se fixer des délais courts selon la loi de Parkinson, qui dit que le travail s'étale de manière à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Donc on a tendance à prendre plus de temps que nécessaire pour accomplir une tâche. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite sur 2 groupes à qui il était donné exactement le même travail, mais un groupe avait 1 jour pour le réaliser et l'autre groupe avait 2 jours pour le réaliser. Et bien, ils se sont rendu compte que en fait, au bout de leur temps imparti, le travail rendu était très similaire. Ceux qui avaient passé le double du temps n'avaient pas forcément rendu un travail qui était doublement meilleur, loin de là. Les résultats étaient quasi identiques pour le double de temps à faire le travail. Donc Fabien Olicard, il dit qu'il vaut mieux se fixer des délais assez
assez court, quitte à rajouter après 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes si on n'a pas fini, plutôt que de se donner des jours et des jours pour faire une action, parce que c'est sûr qu'on va remplir tout ce temps-là. Dans son livre, il parle aussi de célébrer les petites victoires plutôt que les grosses. Il explique comment découper les gros projets en des petites tâches quotidiennes pour les réussir plus facilement. Mais tout ça, je vous laisse aller l'écouter sur Next Story. Le deuxième livre que je vous conseille, c'est Respire, le plan est toujours parfait. C'est la lecture parfaite pour l'été, ça mêle développement personnel, roman. Et j'ai lu ce livre quand j'habitais en Suisse et qui recommençait un peu à faire beau fin mars, début avril. Et à chaque fois que je le lisais, ça me mettait dans un tellement bon mood. Moi, je l'ai lu en format papier, mais évidemment, il est dispo en audiobook sur Next Story. C'est l'histoire de Malo, 30 ans, qui est vraiment un expert dans la stratégie. Il gagne extrêmement bien sa vie et il est appelé à Bangkok pour redresser justement une entreprise en difficulté. Mais il n'est pas particulièrement hyper épanoui dans sa vie. Seulement professionnellement, il réussit très bien, mais les autres aspects de sa vie, bon, c'est pas le top top. Et après quelques semaines où il est arrivé à Bangkok, il entend une conversation qu'il n'était pas censé entendre et cette conversation, elle l'anéantit. Vraiment, là, il est au bout du Rolls, il en peut plus. Et à ce moment-là, il fait la rencontre du livre qui va changer sa vie. Une vieille dame, qui est super drôle d'ailleurs. Tout le livre, elle fait des réflexions, mais elle a des actions qui sont hyper étranges et drôles. Et elle lui propose un pacte assez chelou. Il doit continuer à vivre pendant 30 jours. Et pendant tout ce temps-là, elle va le payer. C'est une vieille dame en Thaïlande qui vend des petites pâtisseries. Elle gagne pas des sommes. Et lui, pourtant, dans son travail, il gagne des sommes énormes. Donc, on se demande un peu comment elle va pouvoir le payer, quoi. Évidemment, il va accepter le pacte, sinon il n'y a pas de livre. Et je vous raconte pas la suite, je vous laisse aller l'écouter. Il est génial. Je savais que quand j'allais lire ce livre au parc, j'allais revenir une heure plus tard en étant dans un super bon mood pour le reste de ma journée. Kilomètre zéro, c'est écrit par la même autrice, Maud Ankawa. Donc c'est encore une histoire qui mêle un peu développement personnel, leçons sur la vie. Cette fois, c'est l'histoire de Maëlle. C'est la directrice financière d'une start-up qui est en pleine expansion, donc elle passe beaucoup de temps au travail, elle aussi. En fait, elle a tellement pas de temps pour elle qu'elle réfléchit pas à quel rêve elle peut avoir. Mais un jour, il y a sa meilleure amie, Romane, qui lui demande un énorme service. Ce serait apparemment une question de vie ou de mort. La mission, c'est de rejoindre le Népal pour aller trouver un certain secret. Elle va donc y aller et évidemment, elle va apprendre plein de choses sur son trajet qu'elle va partager avec nous. Quatrième livre, Un rien peut tout changer. C'est le Atomic Habits. Je ne compte plus le nombre de messages que vous m'envoyez pour me dire que vous avez acheté ce livre suite à une de mes vidéos. Avec mon lien, d'ailleurs, vous pouvez y avoir accès complètement gratuitement pendant 45 jours en français. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vais vous parler d'une de mes parties préférées du livre. C'est le fait d'associer une activité à son identité. Par exemple, si tu veux te mettre au yoga, plutôt que de te dire « Oh, faudrait que je me mette au yoga » ou « Oh, j'aimerais bien me mettre au yoga », mets-toi dans la tête que tu es une yogi, une personne qui fait du yoga. En fait, il explique l'auteur qu'il faut que ça fasse vraiment partie de toi. Qu'une fois que l'action fait partie de toi, tu arriveras hyper bien à la mettre en place facilement parce que c'est qui tu es. Par exemple, si tu veux arrêter de fumer, plutôt que de te dire « Non, j'essaye d'arrêter » ou « Je suis un fumeur qui essaye d'arrêter », dis-toi que tu es non-fumeur. Genre, tu es une personne non-fumeuse. Même si pour l'instant, c'est pas encore vrai. D'après ce qu'il décrit dans le livre, ce serait une manière hyper puissante de réussir à changer ses mauvaises habitudes en bonnes. Il dit aussi que pour commencer n'importe quelle nouvelle bonne habitude que tu voudrais, il dit qu'il y a 4 étapes. De rendre l'action évidente. Par exemple, tu veux te mettre plus au tennis, et ben tu vas mettre ta raquette de tennis et tes balles pile dans ton entrée, tu vois. Avec tes manteaux, tu l'accroches. Comme ça, c'est évident. Tu peux pas passer ton entrée, tu peux pas rentrer chez toi ou sortir de chez toi sans voir les raquettes de tennis. Donc ça va te faire penser ah, je pourrais organiser un match avec mon pote aujourd'hui ou demain. À force de le voir, ça va être beaucoup plus évident d'y aller. La deuxième loi, c'est de le rendre attractif. Donc par exemple, de t'acheter une belle raquette qui te donne envie de jouer et pas genre la vieille raquette cassée qui est dans ton garage depuis 2 ans. La troisième loi, c'est de le rendre facile. Par exemple, d'avoir un abonnement à une sorte de complexe sportif avec des terrains de tennis. Tu payes un abonnement qui est par exemple à côté de chez toi. En gros, rendre la tâche facile. Que t'es pas à, par exemple, repayer à chaque fois ou que t'es à faire 1 heure de voiture pour aller faire ton tennis. Et la dernière, la quatrième loi, c'est de le rendre satisfaisant. En plus, je trouve que pour le sport, c'est assez facile cette étape parce que t'es toujours satisfait après une séance de sport. C'est vraiment rarissime que j'ai regretté d'avoir fait une séance de sport, de yoga, de badminton, d'escalade, peu importe. Et pour casser une mauvaise habitude, au contraire, il dit qu'il faut juste inverser ces 4 lois-là. Donc premièrement, rendre l'action invisible, rendre l'objet de l'habitude invisible, le rendre pas attractif, le rendre difficile à mettre en place ou à commencer, et le rendre insatisfaisant. Genre qu'à la fin, tu sois pas satisfait d'avoir cédé
aider à cette habitude qui est mauvaise et que tu voudrais plus avoir dans ta vie. Autre livre, roman cette fois, que je vous conseille, Ta deuxième vie commence lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une. Lui, je l'avais lu aussi format papier, mais pareil, il est disponible sur Nextory en audiobook. Ils ont aussi certains livres d'ailleurs, dont celui-là, en format e-book si tu as envie de lire sur ton téléphone ou sur ta tablette par exemple. Mais ce livre-là, donc, je l'avais lu sur papier quand j'étais en vacances l'année dernière avec ma famille, et dans la location, dans le logement qu'on louait, il y avait une étagère dans les toilettes avec plein de livres, dont celui-là, et j'en avais vachement entendu parler, donc je me suis dit c'est l'occasion, et je l'ai lu en à peine une semaine, j'étais à fond dedans. C'est l'histoire de Camille. À 38 ans, elle a tout pour être heureuse, théoriquement, mais pourtant elle a l'impression d'être un peu passée à côté de quelque chose dans sa vie. Et le livre, il commence sur son accident de voiture. C'est la fin d'une longue et mauvaise journée, il pleut, Camille elle décide de prendre des petites routes pour éviter les embouteillages, mauvaise idée Camille, ou peut-être bonne idée d'ailleurs, parce que en gros ça lui fait avoir un accident, etc. Ce qui lui fait rencontrer Claude. Donc il y a son GPS qui rend l'âme, ensuite il y a sa voiture qui tombe en panne, heureusement elle a rien, elle est juste un peu sonnée, mais elle peut plus repartir, il fait nuit, évidemment elle a pas de réseau, elle commence un peu à angoisser, donc elle va marcher autour pour essayer de trouver une maison, et là elle tombe sur la maison de Claude et sa femme, qui sont un couple un peu plus âgé que Camille, et depuis leur maison elle va appeler son compagnon à elle pour lui expliquer la situation, qu'elle est tombée en panne, qu'elle a eu un accident, nanana. Sauf que la réaction de son compagnon, en gros elle la déçoit un peu parce que il est plus embêté par le côté matériel et combien ça va coûter de réparer la voiture que par comment va Camille, comment elle se sent, etc. Donc elle est un peu furieuse et triste du manque de réaction de son conjoint et elle se met à pleurer. Et Claude, quand il revient, il voit ça. Donc elle va lui raconter le trop-plein d'accumulation de ces dernières semaines et de ces dernières années. Elle lui dit que c'est pas qu'elle est vraiment malheureuse, mais qu'elle est pas heureuse non plus. Et lui, il lui répond qu'il pense savoir de quoi elle souffre. D'une forme de routinite aiguë. En gros, elle est trop dans sa routine. Et donc cet homme-là, évidemment, il va lui apprendre plein de choses et nous les apprendre par la même occasion. C'est un livre hyper good mood. Vraiment, c'est le livre parfait à écouter sur la plage, là, avec les petits écouteurs. Et le bruit des vagues en fond, 10 sur 10. Sixième livre que je te conseille, c'est Pouvoir illimité de Anthony Robbins. Anthony Robbins, c'est vraiment un coach à l'américaine de développement personnel. C'est vraiment le cliché. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs à prendre de son livre. Ça parle de PNL, qui est de la programmation neurolinguistique. C'est étudier les mécanismes qui vont créer des changements de comportement et faire en sorte de les comprendre et de pouvoir les refaire. En gros, modéliser ces mécanismes pour que ce soit accessible à tout le monde et donc changer ses comportements plus facilement. Il l'explique mieux que moi. Il parle notamment dans son livre de la formule du succès et qu'est-ce qu'on attend de la vie. En gros, il dit que la réussite, ça découle des buts, que si on n'a pas de projet ni de plan pour les réaliser, ça va être beaucoup plus dur de savoir où on va et de les réaliser pour de vrai. Il dit qu'il y a 5 étapes à suivre pour se fixer un objectif. Premièrement, de dire à l'aide de termes positifs uniquement ce qu'on veut et pas ce qu'on veut pas. Le même exemple de arrêter de fumer, par exemple, il faudrait pas dire je veux arrêter de fumer. Il faudrait pouvoir dire, par exemple, je veux me sentir libre de toute addiction, ou chercher une phrase un peu dans ce style qui utilise que des mots positifs. Décrire ce qu'on veut et pas ce qu'on veut pas. La deuxième chose, c'est de décrire cet objectif, mais cette fois avec des informations sensorielles. La troisième chose, c'est de pouvoir mesurer cet objectif, en tout cas mesurer les résultats que ça apporte, de manière à savoir où est-ce qu'on en est, quand est-ce qu'on aura réussi. Tu vois, on peut mettre des valeurs, vraiment des chiffres par exemple. La quatrième chose qu'il dit, c'est de garder le contrôle, qu'en gros nos objectifs doivent dépendre surtout de nous. Genre s'il y a trop de facteurs extérieurs, de si Michel fait ça, bah à ce moment-là mon objectif il marche plus, donc on n'a pas le contrôle, donc c'est plus difficile de réussir cet objectif. Et le cinquième point, c'est que l'objectif soit bénéfique pour soi et pour les autres. Il donne aussi un long exercice en genre 12 étapes, mais qui peut vraiment propulser nos goals et comment on les établit, comment on y arrive. Première étape, faire l'inventaire sur une feuille de papier de tout ce qu'on veut avoir, être, faire, sans se soucier de la manière, sans se soucier de comment ce serait possible, juste qu'est-ce qu'on veut. Dans l'idéal, si on avait une baguette magique, qu'on pouvait avoir tout ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ferait? Il dit d'écrire pendant 15 minutes tout ce qui nous vient sans réfléchir, et même plus longtemps que 15 minutes si vous avez besoin. La deuxième chose, c'est de les sélectionner par objectif et de se demander combien de temps, d'estimer à peu près le temps dont on a besoin pour réaliser chacun. Il dit que ce soit des objectifs à court terme, à moyen terme ou à long terme, il y a toujours un début et une fin, un premier pas et un dernier pas. Ensuite, il dit de choisir les 4 buts les plus importants, ou en tout cas à réaliser dans l'année qui vient, et écrire pourquoi est-ce qu'ils sont importants pour nous. La quatrième chose qu'il dit, c'est que ça doit suivre les 5 règles dont je vous ai parlé avant, de pouvoir être mesurable, de pouvoir être contrôlé entre guillemets par vous, que ça dépende pas d'autres personnes, que ce soit bénéfique pour soi et pour les autres, etc. La cinquième chose, c'est de lister les ressources internes et externes qui vont nous aider à réussir
ces 4 objectifs qu'on aura sélectionnés pour l'année. Le 6e point, c'est de repenser à des moments où on aurait réussi à utiliser ces ressources-là avec succès, genre ça aurait fonctionné. Après, il donne des questions auxquelles répondre, comme quel genre de personne on doit être pour atteindre ses objectifs, quelles qualités, valeurs, comportements est-ce qu'on doit adopter pour atteindre ses objectifs, quelles croyances limitantes est-ce qu'on a et qui peuvent d'ailleurs nous empêcher d'atteindre ses buts. Et ensuite, la 9e étape, c'est de faire un plan d'action. Étape par étape pour nos 4 objectifs principaux. Et il faut que la première action à mettre en place, elle commence aujourd'hui. Même si c'est un tout petit pas, il faut que ça commence dès aujourd'hui, dès maintenant, pour que ce soit déjà dans le procédé de « on y est, on est en train de faire quelque chose », pas « ouais, c'est un objectif plus tard, genre j'y penserai, j'aimerais bien faire ça un jour ». Le 10e point, c'est de trouver des modèles qu'on connaît personnellement ou non et dont on peut s'inspirer. Le 11e point, c'est de décrire en détail, en utilisant nos sens encore une fois, et de décrire une journée idéale, notre journée de rêve, une fois que nos objectifs seront atteints. Genre, si on avait atteint ces 4 objectifs-là, comment on se sentirait, comment on agirait dans la journée. Et le 12e point, c'est de définir son environnement parfait. On sait que l'environnement, ça a un rôle énorme sur nos objectifs, sur ce qu'on arrive à atteindre ou pas. Donc en tout cas, le fait d'essayer de lister ou de s'imaginer ce qu'il faudrait dans notre environnement pour nous donner plus de chances de réussir, il dit que, en tout cas, c'est la 12e étape et ça peut être quelque chose qui nous aide. C'est un livre où je trouve qu'il y a à prendre et à laisser, mais je trouve que c'est quand même inspirant de manière générale. C'est un peu un classique du développement personnel, comme le dernier livre dont je vais vous parler, Les 4 accords Toltec. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit dans ce livre. Par exemple, le fait de ne jamais juger, et t'as un peu l'impression que quand tu lis le livre, il juge les gens qui justement ne respectent pas les 4 accords. Je me souviens qu'on se faisait la réflexion avec une de mes meilleures potes parce qu'on lisait ce livre au même moment. D'ailleurs, l'anecdote était trop drôle parce que, en gros, c'était nos mamans, respectivement, genre chacune de leur côté sans se concerter, qui les avaient posés, genre elles avaient posé le livre Les 4 accords Toltec sur notre lit, en mode « Oh, je l'ai retrouvé, tu pourras le lire, peut-être que ça te plaira. » Et genre littéralement, au même moment, je sais pas si c'était le même jour, ou en tout cas dans les mêmes jours, nos mamans avaient fait ça, et après, on était en train de le lire toutes les deux du coup au même moment, et on était partis 2-3 jours en vacances ensemble, et on se dit genre « Eh mais, trop drôle, tu lis Les 4 accords Toltec, moi aussi !»« Ouais, c'est ma mère qui l'a mis sur, qui l'a posé sur mon lit, elle l'a retrouvé, elle s'est dit que ça pouvait m'intéresser. » Et on était genre « Bah oui, moi aussi !» Enfin, c'était vraiment hyper cocasse. Et on s'était fait justement la réflexion que dans ce livre, il juge un peu les personnes qui font pas tout parfaitement les 4 accords et tout, alors qu'il dit de pas juger. Mais globalement, le livre est quand même génial. C'est un très bon classique à avoir lu, franchement, en développement perso. C'est un peu une base, quoi. Et notamment, le 2e accord dont je vais te parler dans cette vidéo pour te donner envie de le lire, c'est peut-être mon accord préféré. C'est le fait que quoi qu'il arrive, il faut pas en faire une affaire personnelle. En gros, que quoi que disent les autres à notre sujet, ça appartient qu'à nous de décider si c'est vrai ou pas. En gros, on peut donner notre accord ou non pour valider ou non ce jugement. Si on donne pas notre accord, on dit bah cette personne, je sais pas, elle a dit que j'étais bête, mais que moi je sais que je suis intelligente. J'utilise un exemple random hein, pour que vous puissiez visualiser. Moi je sais que je suis intelligente, donc ça ne m'atteint pas. Ça n'a pas de conséquence sur moi le fait qu'elle dise que je suis bête parce que je sais que c'est faux. En fait, chacun projette sa réalité sur l'autre et il n'y a pas de vraie réalité. Chacun a sa réalité. Il dit que le jugement, ça concerne seulement celui qui juge et pas celui qui se fait juger. Il dit que la peur est à l'origine du jugement et qu'en se libérant des peurs, on va justement se libérer des jugements que l'on peut recevoir des autres. Et que la clé pour ne plus avoir de peur, justement, c'est la connaissance et la confiance en soi. Les 7 livres dont j'ai parlé dans cette vidéo sont tous dispos sur Nextory. Avec le lien qui est en bio, vous avez 45 jours d'essai complètement gratuit. Ce qui est top aussi, c'est qu'il y a plein de recommandations assez originales. Des livres qu'on voit pas partout, en tout cas. Par exemple, le fait que j'ai lu Votre temps est infini, ils vont me proposer, basé sur ça, d'autres livres comme ceci, plein dont j'ai jamais entendu parler. Donc ça peut être des bonnes recommandations, des belles découvertes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça mettra un peu de joie et de soleil dans votre été de lire ces livres ou d'écouter ces livres sur la plateforme. Merci infiniment de votre soutien. Je poste tous les dimanches sur YouTube et tous les jours sur Insta. Ciao !